Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Zemtis du mois de février. Oui, c'est tout aussi simple que ça. Juste, voilà. On va ouvrir ma petite boîte. Alors, la boîte du bas va contenir tous les produits make-up que je finis et les produits du Project Pan Peau de bébé où je vais le mettre autre part. Je vais le mettre là-dedans. Il y a quoi là-dedans? Ah, ça, c'est du maquillage à donner, ça. Ça aussi, je vais mettre ça avec. C'était nul. Ça aussi. On verra après. J'en parlerai à Théo. Du coup, on verra. Pour commencer avec mon chéri, on a fini le gel douche Ginger Morning de chez Terracol Moon. On l'adore. Alors ça, le machin, il descend pas. Même en le retournant comme ça constamment, il descend pas. On l'adore. On l'a déjà encore une fois en backup, mais ça fait partie de nos préférés. On a également fini un autre gel douche qui était nul à chier de chez Nocibé. De la gamme Les Délices, gel douche onctueux, macaron framboise. Ouais, non. Alors, il avait même pas l'odeur. Sensoriellement parlant, ben. Non, nous, on ne rachètera pas ces trucs. J'ai fini une bougie Yankee Candle à bâton de cannelle. Ouais, ça sentait ça. On l'avait eu dans le calendrier de l'avant. Alors, elle brûle plus en fait. On avait également celle-ci qui brûle plus de Yankee Candle. Je sais pas c'était quoi l'odeur, mais ça brûle plus. Ah, une autre également. Ah, ça devait peut-être être la même. Ouais, je pense que c'était la même que celle-ci. Ouais. Ça a peut-être la même odeur. C'était la bisou glacé. Baiser glacé qui sentait très bon. Celle-ci aussi, elle sentait très bon. Mais c'est fini. Le but étant de finir toutes les bougies qu'on a à la maison. Il y en a une qui est en train de brûler là actuellement. Ouais. Je ne sais pas quelle odeur c'est. Peut-être que la pièce est trop grande. Je ne sais pas. Ok. On va continuer. Déjà, ça va dans la boîte là-bas. Ben oui, je ne vous montre pas les produits make-up. De chez Lush, j'ai fini une bombe de bain. C'était la Dragon Eye. Alors, je l'ai fini en 3 ou 4 fois. 3 fois, je crois. Parce que je l'ai exposé avant de l'utiliser. En sachant que, de base, c'est une bombe de bain pour tout le bain. Les gars, j'ai pris la bombe de bain. Je ne vais pas l'utiliser en une fois. Hein. Non, non, non. Non. Également, un autre produit bain. C'est les produits que j'essaye de finir parce que ça fait longtemps qu'on les a. C'est de chez Knip, Bain Douceur, Bain Câlin, Gingembre, Cardamome, Macadamia et Estrée de Miel. Ça devait sentir bon à mon avis. Ouais, ça sentait bon, c'est agréable. Après, voilà, je ne rachèterai pas. Ma coloration que j'ai finie, c'est de chez Schwarzkopf, la Châtain à Cajou Perfect Mousse. Très pratique à utiliser les Perfect Mousse. Tu peux le faire tout seul, sans personne. Très pratique. Non, j'ai beaucoup aimé. Et j'en ai déjà une d'avance, au cas où. Parce que, à un moment donné, il faudra bien que je le refasse. Mais c'était pas mal, pas mal. J'ai fini un petit masque pour les yeux de chez Essence. C'est le Eye Patch. Non, le Hydrogel Eye Patch. Agréable. Ça décongestionne, mais c'est tout. Ça fait rien d'exceptionnel. C'est très. Voilà, ça fonctionne bien. Hein. J'ai fini de chez Mario Badescu le Skincare, le Facial Spray. Voilà. Rien à dire, à part que ça donne un coup de frais. C'est tout. J'ai rien à redire. Je rachèterai pas en tout cas. Ça, on a déjà à la maison. Ça, je rachèterai pas. Ça, on a encore tout plein à la maison. Les bougies, je rachèterai pas. On en a beaucoup. Les trucs là, je pense que je rachèterai pas. Hors de prix. Ça, susceptible de racheter, mais j'en ai trop à la maison.
La coloration, j'en ai une d'avance. Et ça, je ne rachèterai pas. Le lotion tonique de chez Cop Garantie. Ça, c'est c'est du discount chez nous. C'était. Pour moi, les lotions toniques, elles ne font rien de particulier. Il y en a qui pourront me dire, oui, gna gna gna, ça fait ça. Ouais, mais pour moi, ça fait rien de particulier. J'utilisais ça le matin avant de mettre mes soins. Et j'en ai encore deux autres ouvertes. Et voilà. J'utilise ça. Quand j'ai plus, j'ai plus. Hein. En fait, je prends au moins cher et selon le magasin où je suis. En sachant que j'ai deux rose water d'avance. Donc, je les aime bien celles-ci par rapport à l'odeur. J'ai fini une crème visage. Mais là, j'ai encore un sérum d'ouvert, deux contours des yeux, une huile pour le visage, un sérum au squalane qu'il faut utiliser le soir, d'ouverte, et j'ai dû récupérer la SOS Anti-Spot Gel de mon chéri. Donc, j'ai encore plein de trucs ouverts avant de rouvrir tout. Enfin, voilà. Du coup, j'ai fini la crème visage de chez Essence de la gamme Hello Good Stuff à la banane. Voilà. Elle sentait bon, elle était pas mauvaise, mais je pense qu'elle était trop nourrissante pour ma peau. Donc, je rachèterai pas. J'ai enfin fini ceci. Ça fait depuis l'année dernière que j'en traîne. Et alors, c'est un petit millilitre, hein, 30 millilitres, les gars. C'était le Face Watch de chez Action. Voilà, ça c'est fini. Enfin, j'ai eu du mal à le finir. Mais c'est fini. Je peux m'en débarrasser. Et le premier produit que j'ai fini de la gamme. Enfin non, du Project Pan peau de bébé. D'ailleurs, je vais le mettre dans ce sac-là. J'ai trouvé un joli petit sac, ça sera mieux. De la gamme peau de bébé, j'ai fini. Non. De chez Balea. J'ai fini l'huile pour le corps. C'était une édition de Noël. Ça sentait le gâteau de Noël. Je sentais le gâteau de Noël avec ça. J'ai détesté l'odeur. Oh, ça pue. J'en ai encore à la maison. Je vais l'utiliser. Mais ça, je l'utilisais sur les jambes au final. Ça hydratait bien, hein, mais. Oh, ça puait. En plus, c'était une huile avec des paillettes. Donc ça, il fallait le mettre le soir. C'est chiant après, parce que j'ai mis ça le matin, un jour après m'être douché le matin. J'avais mon jean qui me collait toute la journée, c'était affreux. Je l'ai mis à laver direct après parce que je pouvais. C'était pas agréable. Du coup, j'ai fini une huile. Donc, il y a 20 ml dans mon Project Pan. Moi qui pensais jamais y arriver, j'y suis arrivée. D'ailleurs, sur le sac, j'ai marqué projet peau de bébé. Hein. Voilà. Et du coup, c'est le premier produit que j'ai fini, un 20 ml. On peut m'applaudir, je pense, hein? Non? Oui? Oui, parce que moi qui ne me crème pas le corps, j'ai réussi. Hein. Non, non. C'est un bon projet, un bon challenge. Franchement, c'est pas mal du tout. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!